Salut à tous, c'est Naftaline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, enfin, de Rebuild, le 9e, je crois, il me semble. Donc voilà, ça fait très 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 longtemps que, que j'étais pas revenu dessus, c'est vrai, je m'en excuse, pour ceux qui suivent la série. C'est vrai qu'entre Hogwarts Battle qui m'a pris un petit bout de temps et qui finalement m'avait laissé pas mal de vidéos que je me suis permis de poster tout à la suite. Voilà, donc déjà ça j'avais pas posté, plus après ma petite pause de vidéos, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous refaire du rebuild. Mais ça y est, on est de retour. Donc on va continuer la reproduction de la maison de Kylors qui est juste là. Donc on avait commencé à reproduire tout ça, donc je sais plus vraiment où est-ce qu'on en était. Je viens de faire un petit tour juste avant de lancer là, un petit tour de la map, histoire d'être un petit peu au fait de ce que j'avais fait justement. Je me suis dit qu'on avait commencé à faire le plancher du rez-de-chaussée parce que ce serait finalement une bonne idée. Donc ici il y aura une bûche, très simplement. Est-ce que je vais avoir assez de bûches d'ailleurs? Et qu'est-ce qu'il a utilisé comme bûche aussi? Parce que ça aussi c'est la question, parce que je pense pas qu'il soit servi de ça. Ouais non, c'est des bûches. Ah, ceci dit, ça se verra pas. C'est ce que sur ces deux types de bûches, que ce soit les bûches de sapin ou les bûches de bois normal, la tranche est la même. Hein. Oups, sauf si je mets pas du tout ce qu'il faut. Hop, voilà. Donc j'ai pas fait de récolte. Juste avant de commencer l'épisode, parce que voilà, j'ai constaté que j'avais suffisamment de bois. Oula, petit ralentissement, je sais pas d'où ça vient. Alors que j'ai eu un achievement d'ailleurs, je viens de tilter. Donc voilà, j'ai pas fait de récolte parce que j'ai constaté que j'avais assez de bois pour faire justement le plancher et peut-être un petit peu plus. Je pense qu'à partir de maintenant, je ferai les récoltes en off. Vous me ferez confiance, je vais pas me les giver, de toute manière, ça n'aurait pas d'intérêt. Même pour moi, ce serait pas drôle, ça me pose pas de soucis d'avoir à récolter le bois, mais c'est juste de pas, même le reste des ressources, c'est juste de pas vous embêter, entre guillemets, avec toute la récolte. Ça pourrait être très long et finalement fort peu intéressant. Donc du coup, à partir de maintenant, je ferai les récoltes nécessaires, du moins les grosses récoltes, en off. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, je vous fais confiance. Vous me le direz dans les commentaires si ça vous dérange ou pas, si vous me faites confiance ou pas. Mais pour le coup, c'est vraiment pour votre bien finalement, parce que si on me voit récolter du bois pendant je sais combien de temps, surtout qu'il faudra que j'attende que le bois pousse, parce que j'ai pas non plus des forêts illimitées en dehors du bois normal, il va me falloir des sapins pour le toit, notamment. Donc voilà, je ferai mes récoltes en off. Salut le poulpe. Donc maintenant on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne ce sol, mon cher Kaors. Alors donc là c'est sur 2 jusqu'au bout. 1, 2, 3, ok. 2, 3. J'essaie de me faire mes petits repères dans ma tête, c'est la partie difficile du jeu. Alors donc on a dit 1, 2, donc là jusqu'au bout, tac tac. Hop, je pense que j'aurais pas assez de bois, mais là, pour le coup, ça va pas poser vraiment de problème. Donc, 1, 2, 3, ouais, bah, de toute façon, c'était jusqu'au coin. J'avais pas besoin de me casser la tête. Et par contre, ici, là, par contre, j'ai pas fait gaffe. Parce qu'il y a un petit angle, il me semble, avec la cuisine, justement. On va essayer de voir un petit peu ça. Comment, ok, c'est à partir là. Ok, bien. On va essayer d'avancer un petit peu, les amis. Parce que c'est vrai que cette série n'avance pas vite et pas souvent en fait. Donc j'ai dit, c'est l'angle, il est là, donc là, hop, tac tac tac. Sachant qu'ici aussi j'ai, hop, des bûches, hop, je crois que c'est ça. On va aller vérifier tout de suite après. Mais je crois que je ne fais pas trop d'erreurs en plaçant mes blocs ici. J'aurais pu économiser d'ailleurs en mettant des dalles, mais bon, écoutez, c'est pas très très grave. Non, attendez d'ailleurs. Hop, on va commencer à poser ici. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Voilà. Et ici aussi.
Hop. Et je n'ai plus de bûches. Donc, bah écoutez, on va faire une mini session de récolte. Je vais pas prendre les sapins parce que je vais les garder pour plus tard. Je vais prendre des arbres dans les marais plutôt. Hop. Donc, on va aller chercher ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de son. Music and sound. Oh, bah si, pourtant. C'est peut-être dans mes oreilles que c'est pas très fort plutôt. Hop. Voilà. Donc, on va pas avoir besoin de beaucoup plus de bûches, on va quand même aller couper quelques autres arbres. Breu, arbre, oui, c'est bien. Bien, Nafta, apprends à prononcer. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que bah, vos vacances de Noël commencent bien. Et puis voilà, quand même. Moi, ça va plutôt bien, écoutez. Hein. De toute façon, les vacances, c'est toujours plaisant. Surtout celles de Noël, en général, qui sont quand même les meilleures de l'année. En excluant les vacances d'été. Alors, donc, on va constater d'ailleurs. Vous voyez ce que je disais, c'est exactement la même tête. Hop, hop, voilà. Sachant qu'ici, ça va être du quartz et de la clay. Il me semble que c'est de la clay qu'il avait mis. Je suis pas fou. C'est quoi ça? En tout cas, vérification. Donc voilà, il me faut bel et bien du boisson déjà pour la table. Il me faut du bois clair pour les petites chaises. Et il me faudra du cuir et bien entendu de l'argile. Argile que j'ai pas en masse, je crois. Je loupe toujours ce truc. Un jour, j'y arriverai à traverser cette petite rivière. Pour ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement, d'abord, ben merci. Je vais peut-être vous expliquer, même si je vous renvoie vers la vidéo de présentation qui se trouve dans la playlist de Rebuild. On est. Ben, oh punaise, non, j'avais quand même pas mal de bois en fait. J'avais pas tilté. Enfin, pas mal. J'avais un petit peu de réserve. Oups. Donc, Rebuild, c'est une série et un concept que j'ai entre guillemets inventé. Parce que c'est pas non plus la plus grande invention du siècle. Qui consiste en ce que vous, les abonnés, en début de saison, vous m'envoyez vos maisons que je devrais après reproduire en mode bah, survival. Déjà, ça peut permettre de voir de belles petites maisons. Là, pour la première saison, j'ai pris une petite maison, mais bien sympathique. Désolé pour le petit bruit de fond. Et donc, du coup, voilà, après, je sélectionne une des maisons et puis je choisis de la reproduire en survival. Nous allons faire la table de la cuisine parce que ce sera fait. Attendez, juste avant, je vais quand même aller chercher le. Oula, il faut que je mange. Je vais aller chercher du bois de bouleau. Parce qu'il y en a besoin pour les chaises. On a pu voir dans les coffres que j'avais 3 de cuir. Ce qui n'est pas énorme. Mais en début, il va m'en falloir quand même un petit peu hein, du cuir. Et on va peut-être pouvoir. En plus, je crois que j'avais dit que je ferais d'abord la structure avant de commencer l'intérieur dans les derniers épisodes. Et finalement, c'est pas du tout ce que je fais. Je suis désolé. Je ne tiens même pas, je ne tiens même pas mes promesses. J'ai une table de craft. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. On va les mettre. Ah oui, j'avais commencé à mettre des vitres. C'est exactement ça. Oh, bah, il y a du sable là-bas d'ailleurs. On ira le chercher. Alors, là, pour ça, hop, on convertit tout. Hop, 4. Il me semble que ça suffit. Ensuite, il me faut tout ça pour faire. Je commence à être full niveau inventaire. Je vais en faire pas mal. Parce que de toute manière, le toit est fait de briques et de brocs. Non, il est fait de bois foncé. Donc. Allons voir un petit peu combien fait la table. Il me semble que c'est du 3 sur 2. 1, 2. Ah non, c'est du 4 sur 2, dis donc. Tac, voilà. Donc du 4 sur 2, il a bien fait les angles. Ok. Alors après les chaises. On commence en face et là. Ok. Bien. Donc, on va aller disposer cette petite table de cuisine. Il faudra que je termine l'extérieur aussi. Le petit jardin. Il fait déjà nuit? C'est une blague. Alors, non, voilà. Donc 4 sur 2, on a dit. Tic, tic, tic. Comment je vais faire ça?
Comment je vais faire ça? Il faut que je place un bloc. Non, je vais en placer un là. Réflexion intense. Il faudra que je le casse après. Vous inquiétez pas. Alors si je fais ça. Non. Alors attendez. Qu'on a dit. Là j'ai réussi mon angle. Là j'ai réussi mon angle. Tac. Alors par contre, les angles ici ne sont pas du tout réussis. C'est toujours un casse-tête à mettre ces trucs. Il y a des moments où j'ai l'impression que je comprends comment il faut que je me positionne. Et c'est bon ça. Ça c'est bon. Et voilà, bien. Ensuite, les chaises, on a dit ça, ça, ça et ça. Voilà. Il manquera le petit pot et les accoudoirs. Mais en tout cas, le début de cuisine est fait. Et on va vite aller se coucher. Parce qu'on n'est pas là pour se friter avec les mobs. Hop. Est-ce qu'on a de la clé à proximité? J'ai pas regardé d'ailleurs dans le coffre. On va regarder si j'ai un petit peu de clé. Je pense pas que j'en ai beaucoup. Excusez-moi. J'ai du quartz. J'avais prévu du quartz. Durant mon expédition dans le Nether. Et je n'ai pas de clé. Alors ça va être embêtant. Il faudrait que j'enlève des trucs que j'ai sur moi. C'est absolument abominable. Ah, c'est vrai, j'avais pris un jungle sapling. J'étais allé très très loin, je crois, pour trouver cette jungle. Si je me souviens bien. On va poser l'arc et les flèches parce que finalement on ne s'en sert pas. J'ai des carreaux, des vitres, mais pareil, je m'en sers pas non plus. Ok, bien, on va avancer. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire de d'intelligent et de sympathique. Déjà, on pourrait commencer justement le jardin. Alors, les lampes de redstone, à chaque fois, je vais oublier. Comment ça fonctionne déjà? Je sais plus du tout. Je me rappelle jamais. Je regarderai ça une autre fois. Écoutez, en off. Je vais pas vous ennuyer. Ouh, j'ai des petits ralentissements. Je suis désolé. Je vais pas vous ennuyer avec ça. J'ai vu qu'il y avait du sable là-bas, ce qui est assez bizarre. Bon, il y a une petite plage, mais on va aller le récupérer. Je sais pas pourquoi j'ai des ralentissements. Ça me commence à m'énerver. Bonjour, madame l'araignée. Ah, oh, une petite caverne, toute petite. Toute rigolote, toute mignonne. Et hop, voilà. Punaise, oui, il y a masse de sable ici. C'est rien de le dire. Moi qui me disais, je crois, dans un précédent épisode, faudrait que je trouve un désert. En fait, pas du tout. J'ai complètement ce qu'il faut à proximité pour me faire les vitres nécessaires pour la maison. Et bien entendu, je n'ai plus de pelle. Bon, on va commencer à faire cuire tout ça. Je vais me refaire une pelle. Je suis complètement dispersé, les amis. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Alors, on va. Est-ce qu'on sait avoir de la. Non, non, ça ressemble à rien. Celle-là est beaucoup mieux quand même. Ah, c'est le toit, ça va me hanter d'avoir à le faire le toit. C'est quelque chose toujours assez complexe déjà à faire tout seul. Mais alors quand on doit en faire une reproduction. Ah, mais j'avais des vitres déjà ici, c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais faire? On va se faire donc, oui, une pelle. Est-ce qu'on a du fer pour une pelle? Oui, on a du fer. Oui, j'avais quand même. J'avais beaucoup miné en début de série. C'est vrai que j'avais oublié ça. Hop. Tac. 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 Voilà la pelle. Est-ce qu'on a de la clé à proximité? Attendez, on va prendre aussi le quartz pour commencer le sol de la cuisine qui se trouve ici, mon quartz, pardon. Voilà. Et donc, ouais, il me faut absolument de la clay. Clay, clay. Qu'il faudra que je recolore, je crois, en plus. Je crois qu'il faudra que je la recolore. Ah, ben regardez. Hop. Hop. Tac, tac. Chpoink. Hop là, toi là. T'as cru que je t'avais pas vu. Hop. Oui, on va pas aller chercher un biome Mesa parce que c'était un monde que j'avais généré en 0.6.4. Au mieux, c'était en 0.6.4. Il me semble que c'était en 0.6.4. Enfin, donc voilà, il faudrait que j'aille très très loin.
C'est pas le but, sachant qu'on est dans un, à côté d'un marais. Il y a quand même pas mal de clés dans ces endroits. Parce que justement, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Et du coup, on trouve relativement ce qu'il nous faut. Hop. Donc il va falloir faire cuire et la mettre en gris. C'est en gris qu'il l'a fait. Hein. Gris foncé ou clair, je sais pas. On fera des tests. Donc du coup, il va falloir que je tue du pulpe. Également, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse d'autre? Il y a des poules. Pourquoi il y a des poulets? J'avais pas des poulets d'ailleurs, pendant un temps. Puisque j'avais prévu de me nourrir avec eux et que finalement ils sont en train de pourrir dans ce... Ouais, c'est ça, c'est exactement cela. Les pauvres. Est-ce qu'on aura besoin de briques? Je crois pas qu'il ait utilisé de briques. Donc, oula, mais j'ai la dose là. J'ai la dose. Hop, tech. Donc on va faire cuire ceci. Avec du charbon qu'on trouve ici. Hop. Hop. Voilà. J'en ai encore à faire. 4. Hop là. Ah, bon sang. Souris, fais ce que je te demande. Merci, souris. Voilà. Bien. J'ai dit du pulpe. Il me faudrait du pulpe. Il y en avait un là. Bien entendu, quand on... On en a besoin. Idée pop. Saleté. Saleté. Eh, hey, il y a une petite île au fond là-bas. Ah, donc c'est pas un grand océan. J'ai toujours cru qu'on avait un grand océan par là, parce que j'y suis jamais allé. Apparemment, non. Oh, pareil, il y a encore beaucoup de sable là-bas. On a pu le voir assez. Ouais. Hop, dès que je regarde, on ne le voit plus, mais quand je regarde pas, on le voit. C'est original. Ouais, on est petit. J'avais jamais trop regardé en fait les alentours de la maison. C'est pour ça que je. Je prends l'air surpris, c'est pas du tout fin, c'est la vérité. Ah, ben voilà, un petit pulpe. Allez, viens là. Voilà. Bon, c'est pas avec un sac d'encre que je vais aller très très loin. Donc voilà, il faudra également, je pense, que je farme un petit peu. Parce que bien que le sol soit pas très grand... alors, est-ce qu'il faut que je... Est-ce que j'ai des os déjà? Telle est la question. Je suis sûr que j'en ai plus. Ah punaise, j'en ai plus. J'ai plus d'os. Ouais, parce que c'est du gris qui m'a fait. Et comment on colore ça déjà? Tac, tac. Il me semble que c'est comme ça. Hein. Ouais. Donc il faudra que je fasse du gris. Bien. Ben merci Kaelors. C'est très joli ta cuisine. Mais ça va me demander de farmer des squelettes. Et des poulpes. Bien, c'est pas grave. Parce que j'ai fait une vérification, je suis désolé. Hein. Je casse la maison. Light blue. Ah non, c'est du bleu. C'est du bleu, donc pas besoin de poulpe. Il faudra simplement que j'utilise le lapis. Que je dois avoir en quantité. Oui, c'est bon. J'ai complètement ce qu'il me faut. En dehors des os, pardon. Bien, et bien écoutez, on va tout de même commencer à placer le quartz. Ce sera une chose de faite. De toute manière, hein. Ce qui est fait n'est plus à faire. Alors, d'abord, on va s'attaquer au damier. Après, on fera le mobilier. Alors, ça commence sur le deuxième. Et puis après, de toute manière, c'est un damier. Est-ce qu'on économise? On en avait parlé dans un précédent épisode. Est-ce que je pouvais tricher? Là, par exemple, j'ai mis que des demi-dalles, j'ai rien mis en dessous. Et là, pareil, je pourrais complètement tricher honteusement. Mais je vais être honnête. Sauf si je manque de... Non, allez. On va essayer d'être honnête, les gars. Hop. Non, pas ici. C'est un damier. Voilà. Ok, bien. Alors, il me faut également des dalles de quartz, il me semble. Parce qu'il a fait ça avec un bloc et des dalles et pas d'escalier pour le comptoir. On vérifie. C'est beaucoup d'aller-retour hein, pour les nouveaux, cette série. Là, par contre, il a mis un escalier. Ah, non, c'est un escalier. D'accord, ok, j'avais pas fait le tour. Ok, donc il me faut des escaliers. Donc il y a celui-ci qui est placé comme ceci. Et l'autre, ok. Ça, je crois que je repère à peu près la chose. Du coup,
on va se faire 4 escaliers des familles. Voilà. Donc celui-ci est orienté de la sorte, donc il me faut placer un bloc ici. Voilà. Hop. Hop. Est-ce qu'il va au bout? Il va au bout, il me semble. Non? Attendez, j'ai un doute. Le doute m'habite. Cette réflexion est bizarre, n'est-ce pas? Vous êtes sérieux? Il va encore faire nuit? Mais cet épisode dure depuis beaucoup trop longtemps et nous n'avons rien fait finalement. C'est le problème de cette série, c'est qu'on n'avance pas avec tous ces allers-retours. Oui, on va jusqu'au bout et après, donc il faut deux blocs, trois. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon, j'ai tout compris. Je vous ai compris. En fait, je sais même plus, je me rappelle déjà plus de ce que je viens de voir. Hop là, paf. Efficacité, paf. Rendement, waouh, freeze. C'est bon, tout est géré. Mince, comment il avait fait? Comme ceci. Tech. Tech, 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 tech. Tech. Tech! Oh là là, c'est fabuleux. C'est fabuleux ce que je vous fais, les amis. N'est-ce pas? Et là, j'ai déjà oublié. Est-ce qu'il fallait que je fasse 1, 1, 1. Il me semble que c'est un truc comme ça. Mais il me semble que c'est décalé en fait. Je pense que je fais une bêtise. Donc voilà, c'est l'inconvénient de cette série. C'est beaucoup d'allers-retours. Et non, j'ai fait ça bien. J'ai fait ça bien. Et ici, ah, il a mis un chaudron, le sac. Ok, un chaudron, un four et un note et des pistons. Waouh! 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 C'est vrai que j'avais pas pensé au mobilier également, mais ça va prendre du temps à faire. Donc, on va se faire le four. Parce que. Bah j'en avais un d'ailleurs sur moi. Comme si j'avais tout prévu. Donc, le four est ici. Voilà. Ça y est, je commence à tricher avec les blocs. Et le chaudron. Le chaudron. Le chaudron. On est déjà à 22 minutes de vidéo. Mon Dieu! Mais c'est beaucoup. Ça passe beaucoup trop vite! Je ne sais plus quoi faire. Le chaudron. On va. Vous savez quoi? On va faire le chaudron et puis on va se laisser pour cet épisode qui, moi, m'a paru extrêmement court. J'ai l'impression d'avoir rien fait. C'est une catastrophe. Bref, c'est comme ça. C'est calculé. Bon, ça, finalement, on s'en fout. Hop, voilà. On va mettre le chaudron en place. Courez, pauvre fou. Non, c'est fuyé normalement. Oh! Toi, par contre, je vais avoir besoin de toi mort plutôt que vivant, finalement. Ah, et finalement, je suis beaucoup trop full. Full, 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 sentimental. Ben voilà. Non. Il y a un slime! Oh, le petit slime! Et toi aussi, tu vas mourir. Et il y a un autre squelette aussi. Je sais, j'arrive pas à terminer cette vidéo. D'une part, parce que j'ai beaucoup trop d'autres choses à faire. Et en plus. Parce que j'ai l'impression que j'ai rien fait justement et que c'est passé beaucoup trop vite. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Qu'est-ce que tu fous dans mon chantier de maison? Non, mais! Gredin! Hop! Pef! Non! Pef! Et attention! Pef! Voilà! Bien, on a un petit peu avancé. J'allais dormir. J'allais dormir, vous savez quoi? Hop! On a même des os en plus, ça c'est une coolitude. Oh! Est-ce que je pourrais avoir assez pour faire justement tout ce que je veux? Ah, attendez. Avant de se laisser, on va essayer de faire des choses. Des choses, des choses. C'est-à-dire que nous allons tenter de faire le. De terminer, pardon, le sol de la cuisine. Est-ce que ça se trouve, j'ai assez? Oh oui, je pense que j'ai complètement ce qu'il faut. Voilà, tac, tac, paf, light blue, tac, hop. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais pas tout consommer, je vais en prendre juste 16, ce qui est certainement beaucoup trop, à mon humble avis. Est-ce que je peux dormir? Oui, je peux dormir. Donc, comme ça, on va se lever, on va aller finir le sol de la cuisine. Et ma foi, je trouve qu'on aura finalement plus avancé que ce que j'espérais.
enfin, que ce que je m'imaginais à la tombée de la nuit, parce que on peut terminer le sol de la cuisine, et c'est vrai que ça faisait quand même sacrément vide sans ce magnifique sol light blue stained clay. Yes! Yes, yes, yes. Voilà! D'ailleurs, c'est très joli comme ça, j'aime beaucoup. Très très bonne idée de Kyle Horse. Le light blue avec le blanc, ça va très très bien. Bref! On va pouvoir s'arrêter et se laisser pour ce 9e épisode, je crois. Ce trou, je dis n'importe quoi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Hein. Bon, forcément, comme d'habitude, c'est quand même notre espoir à tous. Et puis sur ce, on va se laisser. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes vacances. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Naphtaline. Ciao!